Le personnel de santé du centre de traitement ambulatoire de Kembo a découvert que pendant 5 ans, la GNAMGS a payé et su régulièrement ses factures auprès du centre de traitement ambulatoire de Kembo, contrairement à ce que laissait croire la direction. Depuis 2018 jusqu'à maintenant, toutes les factures liées à la GNAMGS sont bel et bien payées. Et on est même surpris de savoir que la dernière, vraiment la toute dernière, remonte de septembre 2023. Donc, notre grande interrogation, c'est de savoir où est passé l'argent. Ce sont donc près de 135 millions de francs CFA qui n'auraient pas été distribués au personnel soignant. Nous personnel de CFA, nous avons 5 ans de quote-part de la GNAMGS et 3 mois de quote-part des recettes propres. Cela fait presque 3 mois le médecin nous dit que nous ne sommes pas payés parce que les factures ne sont pas déposées au sein de la GNAMGS. Autre fait accablant, les malades PVVIH dont les consultations sont faites à géométrie variable. Dans le Kembo, nous prenons la congeste de jour, notamment le mardi et le jeudi. Et les 3 jours de la semaine, ce sont des paiements normaux. Bon, nous, on n'a pas une explication à donner, mais on suit juste le fonctionnement et les recommandations. Pour comprendre cet état de fait, nous nous sommes rapprochés de la direction de la GNAMGS qui n'a pas hésité à nous montrer le grand livre auxiliaire du CTA de Kembo, lequel démontre que la structure s'est acquittée de toutes ses dettes, hormis celle de l'année en cours. Joint plusieurs fois par téléphone via son secrétariat, il en ressort que la directrice du centre de Kembo prendra plus tard attache avec la presse pour justifier les faits qui lui sont reprochés.